chelou. Attendez, depuis tout à l'heure, il me casse la tête avec le niveau supérieur, donc j'ai compris que j'avais un point pour améliorer. Le problème, c'est que si, on va améliorer ça. Ça peut être toujours efficace. Salut! Bande de poteaux. Oh shit! Chef, les tanks ne parviennent carrément pas à que je vais l'acheter, la go. Sa capacité offensive dépasse nos prévisions. Il a pas changé. Merde, je l'ai cassé au moins. Ok. C'est le deuxième ouvrier assassiné. J'aurais dû empêcher ça. Batman, écoutez. Je viens de discuter avec Robin. Je pense vraiment que vous devriez le laisser vous aider. Vous faites face à toute une armée. Elle a raison. On est une équipe. Cette ville a besoin de nous deux. Je vais m'en sortir, Robin. Je t'ai dit ce qu'il fallait que tu fasses. Fais-le. Ça peut attendre. Non, c'est urgent. Tu sais ce qui est en jeu. Concentre-toi sur ton objectif, ou les choses vont empirer. Gravement. Vous ne devriez pas être aussi dur avec Tim. Seulement aider. Ne vous laissez pas influencer par vos sentiments pour lui. Vous croyez peut-être que j'ai envie qu'il risque sa peau? Je préférais qu'il reste en vie. Mais il pourrait vous aider. Si Robin n'arrive pas à sauver ces gens, les répercussions seront tout aussi dangereuses que la bombe de l'épouvantail. La Batgriffe ne suffira pas, mais je peux utiliser le treuil de la Batmobile. C'est toi qui décides, bateau. C'est pas ça. Il pouvait pas faire des glissades avant? Par l'ancienne? Non? Bon. Ça fait 3 morts. Ces monstres vont le payer cher. On les arrêtera. Comme toujours, pas vrai? Ah d'accord, il y a un truc qui monte là, non? Ouais. L'ascenseur ne monte pas plus haut que ça. Non! Non! Kid Ender. Carrément Hugo, très 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 lourd. Moi je fais pour sortir sans...
L'ascenseur va faire plus haut que ça. Il est mieux que j'aille vite. Non, qu'est-ce que tu fais? Si je lâche, ça fait quoi? Câble ou quoi? Mec, je me suis bloqué, j'ai l'impression. À moins est-ce qu'il faut que j'aille à... T'as vu, genre un endroit, mais... Genre peut-être faut que je m'arrête à un endroit précieux. Non? C'est chelou, non? C'est pas chelou? Ça me tarpait, hein. Salut Anthony, ça vaut quoi? Salut Angé. Franchement, ouais, il a l'air vraiment, vraiment fat, moi. Oh le con! Oh, oh. Comment je vais me prendre une caisse? D'accord. Bah, j'apprends un peu encore comment on se combat. Hein. J'ai vraiment du mal là pour l'instant à tout gérer. Comment jeter ci, comment jeter ça, comment contrer lui, etc., etc. Ça va venir, vous inquiétez pas. Tout va bien. Vous êtes sauvés. C'est trop tard. On est tous condamnés. Vous savez qu'il fabrique une bombe? Où est-il? Salut Gino. Apparemment, il est dans la chambre de mélange centrale. Merci Natsu, merci du follow frère. Il se prépare à libérer. Ah non, c'est Nat, pardon, excuse-moi. Nat du 6 bulle. J'ai vu ce que cette saleté fait. Merci Gino. Si ça se répand dans la ville, ça va être l'enfer. J'empêcherai que ça arrive. Je vais vous faire sortir d'ici. Allez à l'ascenseur. C'est foutrement classe. Quand tu arrives à gérer, oui. Là pour l'instant, c'est pas très très joli. Hein. Je vous le ramène. Et l'épouvantail? Il est dans la chambre de mélange centrale. D'abord, je sauve les techniciens, ensuite je m'occupe de lui. C'est aussi grave que ça en a l'air? Encore pire, Jim. Mais je l'arrêterai, je vous le promets. Ok. Ouais, tout à fait, j'y ai fait, Anto, mais le problème c'est que... Je devrais rejoindre le technicien dans l'ascenseur avant de faire ça. Ça date, frère, ça date. Mais depuis la sortie de Sichi, donc je m'en rappelle plus, frère. Ah non, on
On est coincé ici. Cet ascenseur est le seul moyen de sortir des VHS. Tout à fait, Hugo, il meurt au début du jeu. Ouais. Bonne nuit, Monsieur Wargaming. Allez, sors, frère. Oh putain! Cette combi, mon gars. Alfred. J'ai vu, monsieur. Les analyses initiales indiquent que l'appareil est vide et qu'il est contrôlé à distance. Je déverrouille les armes létales. What the fuck? Prépare la bombe dans la chambre de mélange centrale. Il me faut un moyen d'entrer. Vite! Je suis sur le coup, mais il va me falloir une ou deux minutes. Dépêchez, Barbara. La patience est une vertu. Vous êtes au courant, non? Peut-être pas. En vrai, ça saoule. Attends, je vais faire ça. Chance. Les forces de l'épouvantail ont assassiné les autres ouvriers. Salaud. Emmenez-les au GCPD, mais soyez prudents. La milice a envahi Gotham. Qu'est-ce que vous allez faire? Oracle, je dois atteindre l'épouvantail. On ne peut plus attendre. Ça ne va pas vous plaire. Il n'y a qu'un seul accès, et il a été scellé de l'intérieur. Et le tunnel de maintenance? Il longe le mur principal du bâtiment. Je vous envoie l'emplacement. Qu'est-ce que vous allez faire? Improviser. Ah ouais, mais non. Je ne pourrais jamais passer ces tanks sans la voiture. Putain, je me suis dit easy. J'ai pas voulu viser ça. En fait, la voiture, elle a vraiment beaucoup d'importance dans le jeu. Moi, je pensais que c'était juste un outil comme ça, tu vois. Mais elle a vraiment beaucoup d'importance. Merci du follow, LTC. C'est chaud. Il nous faut des Pokémon, c'est le paradis. Oh, on peut traficoter. Les forces de frappe sont prêtes. Je vais vite là. Cet atout est un élément crucial dans mon plan. Ne me déçois pas. Moi, je ne déçois jamais. Qu'est-ce qu'il prépare selon vous? Nous devons d'abord nous focaliser sur l'épouvantail. Je m'occuperai du chevalier après.
Bonsoir. Batman, je crois que j'ai trouvé un point faible à cette tank drone. J'étudie ça et je vous tiens au courant. T'as entendu? Il vient de neutraliser nos tanks. Est-ce que t'es sûr? Peut-être que nos tanks ne détruiront que lui. C'est une voiture. Pourquoi les soldats sont protégés par cette tourelle. Je dois les neutraliser rapidement pour ne pas être détecté. Bon, et maintenant, on va suivre les protocoles. C'est pas la panique. Mais il conduit un tank. Holy shit. Qui ressemble à un tank. Énorme. Énorme. C'est trop. Batman, on a réussi à retourner au commissariat, je ne sais pas comment on a fait. Il y a des tanks partout. C'est fumier. Ah ok, merci Maxence, je savais pas vraiment. Restez en place et faites au mieux. Je m'occuperai d'eux dès que j'aurai arrêté l'explosion. On compte tous sur vous, Batman. On s'en sortira, j'en suis sûr. Ok, merci Maxence. Eh ouais, faut faire gaffe l'équipe. Alors je vous dis une chose, je vous explique pour toutes les personnes qui débarquent depuis pas de problème. Para de problème, para. Okay. Bon de rien. Salut Re, du moins Total. Total Stream. Alors si vous voyez des personnes pour toutes les personnes. Voilà. Pour, si tu débarques pour la première fois ou ça fait pas longtemps que t'es sur les Twitch, il y a pas mal de bots qui se promènent ou des personnes malveillantes qui envoient des liens. Voilà, qui envoient des liens. Donc c'est soit des bots. Pour des sites comme G2A, le trois quarts du temps c'est ça. Soit c'est des personnes qui te donnent des liens de cul ou de la publicité ou des virus carrément pour ton PC. Donc si vous voyez que c'est des liens qui font pas partie des viewers habituels ou que ce soit des modérateurs, soit moi, soit des personnes qui ont le petit onglet de l'oiseau en fait, comme quoi ils sont sub, ne cliquez même pas sur le lien parce que voilà, ça sert strictement à rien. Vous allez vous choper soit une merde, vous allez vous retrouver sur un site, vous allez pas comprendre pourquoi. Donc ne cliquez sur jamais aucun lien, que ça vaut pour ici, pour les streams ou pour ailleurs. Hein. Il faut jamais cliquer sur n'importe quoi parce que sinon vous allez vous retrouver dans la merde en 4 secondes. Et c'est vite fait. Hein. C'est vite fait, ouais. Alors, Rust, Stroger, tu peux m'appeler Para, gros, Parano. En fait, Nocturnal Bird, c'est le nom que j'ai mis à ma chaîne, mais mon pseudo, c'est Parano, frère. Ouais, bien sûr, mais ouais, y a pas de soucis, Panini. Y a pas de problème, gros. On fera ça tout à l'heure, ouais. J'avais complètement zappé. Site coquin. J'avais complètement zappé. Il faut que je place la voiture dans cette zone avant de pouvoir l'utiliser. Oh, waouh, la bête! Je répète, ordre d'évacuation finale! Les retardataires s'exposent à une mort douloureuse, effrayante! Dépêchez-vous! Écoutez, on vient de m'annoncer que la phase 1 était terminée. En ce moment, notre client s'apprête à engloutir la ville dans un nuage de gaz de terreur. Oh putain! Il est sorti de nulle part. Bouge pas.
solution en prenant en compte la c'est capacité pas ça encore. De la chambre de mélange. Il ne bluffe pas, Bruce. Par contre, ils étaient poqués. Pourquoi il a fait évacuer la ville? Il lui fallait l'usine. L'infrastructure d'Ace Chemicals était la seule capable de produire une bombe de cette taille. Les répercussions vont être terribles. Il nous a complètement manipulés. Ça lui était égal si tout le monde fuyait. Il savait que personne ne pourrait échapper à l'explosion. Tain, je suis dégoûté, j'aurais pu faire un sale combat en vue là. J'aurais pu faire un sale combat. Un contre 30. J'aurais pu faire un sale truc. Alors honnêtement, parce qu'en fait, il se passe des trucs. Des fois, il y a des combos qui apparaissent en bas de l'écran. Donc vous aurez pu vous apercevoir en fait qu'à chaque fois quand j'appuie sur le X et le A, il prend des objets dans les environs en fait. Il le balance soit sur l'ennemi, soit il prend l'ennemi directement pour balancer dessus. Donc ça soit sur les côtés ou directement prendre un lustre pour le balancer sur l'ennemi proche. Si j'appuie sur Y et B en même temps, en fait, il fait une sorte de clé de bras, je sais pas quoi, une sorte de soumission au sol. C'est vraiment hard. Et celle que je viens de voir juste à la fin, quand tu arrives à obtenir pas mal de combos, en fait, il jette avec le batarang, je crois, ou une sorte de petit truc qui explose directement sur les ennemis en appuyant sur LT, si je dis pas de bêtises. Donc LT et Y en même temps. Donc c'est stylé, mais tout mélangé dans le combat, sachant que j'ai fail un petit peu les combos et tout, c'était pas beau du tout. Je vais essayer de m'améliorer, hein, vous inquiétez pas l'équipe, mais putain, ça m'énerve quoi. Je joue sur PC, c'est trop bien. Ça fout la haine. La vérité, ça fout la haine. J'arrive pas à faire des beaux combos, quoi. C'est pas fluide, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, je commence, hein, mais c'est pas fluide. Il est badass. J'aimerais qu'il soit encore plus gros. Ça va me saouler par contre le coup des améliorations. Ah voilà, il faut cliquer sur le bouton pour... Ok, je... Alors attendez, en fait... Parce qu'en fait, ici, je suis pas allé. Donc je sais pas s'il y a des trucs... Vous voyez, des fois, il y a des trucs cachés, du mystère ou je sais pas quoi. En fait, non, pas du tout. Ok, mais au moins, on aura fait avancer la voiture. Ah d'accord, et par là je peux pas passer donc il faut que je m'éjecte avec la voiture. D'accord. Ok. Messieurs. Ouais, tout à fait total. Ce soir, Gotham va changer à jamais. Gotham va devenir une terre de cauchemars. Un monument à la peur. Mais ce n'est pas tout. Gotham va être l'épicentre d'une explosion qui va transformer toute la côte est de l'Amérique et en faire mon domaine. Je bloque le chargement des produits chimiques dans la chambre de mélange. Une fois que la pièce sera dégagée, je pourrai tâcher d'éviter l'explosion. D'accord. Continuez à travailler. Si vous chargez les réactifs, bougez-vous. Sinon, couvrez ce qu'il faut. Elle va être grosse comment l'explosion? Tant que l'épouvantail ne dit pas stop, continuez. Tu sais que ça fait du bruit de faire ça. Est-ce que je peux... T'es d'un coup tu lui tires dessus, c'est mort de rire. Ai-je besoin de vous rappeler que le temps nous est compté? Gotham va payer pour ce que son sauveur a fait. Quelqu'un le voit? Peu importe. Oh putain! Remonter quoi? D'accord. Avance. On y est presque, on y est presque. On s'arrête pas. Chacun d'entre vous a reçu une tâche. Accomplissez-la.
et priez pour ne pas goûter personnellement à la toxine de terreur. Vite, vite, vite. Les habitants de Terra peuvent courir tant. Je tiens, Batman, il est avec moi, il a filé par là. Il va filer. What the fuck? Très mal joué ça. Très très mal joué. Aïe aïe aïe. Cible repérée. Zone d'observation. What? Alerte. Rayon de l'explosion à 75 km. En progression. T'as une PS3? Non, non, j'ai plus de... En fait, si, j'ai une PS3, mais je l'ai passé à mon beau-frère, mon petit beau-frère. Du coup, non, non, j'ai plus de console. Il semblerait que le flux de produits chimiques se soit arrêté. Ce qui veut dire que tu es ici, Batman. J'étais très impatient de te revoir. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Para est en taille réelle, ça fait un peu flipper, mais sinon ça passe. J'ai pas compris, Belen. Est-ce que vous pensez qu'il faut que... Tu es encore plus effrayé que ouais. Je l'avais prévu. Tu sais où me trouver, Batman. Je t'attends. En fait, le truc, c'est que non, t'as vu, genre, je sais pas trop où te trouver. Sinon, je serais déjà venu te casser le dos. Approche-toi, Batman. Qu'est-ce qui te fait peur? Y a pas d'indication, y a rien en vrai, non? Attendez, si j'ouvre la map? Je sais même pas où je suis, moi, sur la map. Faut tout lire, mon pote. Et en même temps, je suis en train de jouer, frérot. Tu veux que je fasse comment, en gros? J'attendais ce moment, chevalier noir. T'es venant, toi, c'est... Tu me déçois, Belen. Tu me déçois, frère. Tu me déçois. Y'a pas moyen de péter tout, là. J'aimerais t'affronter, frérot. Moi, est-ce qu'il y a encore un truc à ouvrir là-bas? Ah non, on a tout fait. Bravo. Moi, je dirais de là. Ok, je voyais pas tout à l'heure. Comment je fais pour monter là-haut? Ah, il y a une porte là, non? Ok, attendez. Je prends des escaliers, les gars. Je prends une échelle avec Batman. C'est parti. Penses-tu vraiment avoir gagné?